bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 35 de notre incroyable aventure sur Horizon Forbidden West, l'Ouest prohibé, l'Ouest oublié, appelez-le comme vous le souhaitez. Et on était parti pour aller chercher tout simplement Déméter, si je ne m'abuse. Et je crois que je ne m'abuse parce que on n'est pas parti chercher Déméter, je suis un menteur. On est parti chercher Poséidon, c'est une quête de niveau 22, pas de souci là-dessus. Normalement, il y a ce qu'il faut, nous sommes niveau 23, je le rappelle. Et j'ai un point de compétence, on va récupérer toutes les petites quêtes ici. Sur un malentendu, si c'est sur le chemin du retour, on les fera. Et on est parti direction après Poséidon. Let's go écouter leur petit blabla. Maintenant, elle est toute seule, je sais pas où. La forge seule, c'est tous les dangers qui l'attendent. Quelqu'un s'est enfui? Je connais pas son nom. Elle disait rien. Je peux pas dire si c'est parti méditer ou par peur. Tout ce que je sais, c'est qu'elle voulait pas qu'on s'approche de ses affaires. Ça, c'est sûr. Moi, j'étais juste curieux, voilà tout. Elle n'avait pas à me frapper. C'est pas tes jolies petites dents le problème, écrou. Pense à elle. Toute seule dans la nature. Et en plus, c'est le territoire des Ténac. Par où est-elle partie? À l'ouest en montant. Retrouve-la si tu peux. D'accord. Mais fais attention. Elle est pas très sympa. Bon, une personne à retrouver qui s'est encore perdue, pas de soucis là-dessus. Il me semble qu'ici, il y a une petite rumeur, on va écouter. Vous savez que j'aime bien les ragots, hein. J'aime bien les petites rumeurs. Ça fait toujours plaisir. J'ai entendu dire que les Ténac se battaient entre eux ces temps-ci. Certains peuvent dompter les machines. Il faut vraiment se montrer prudent avec eux. J'en ai vu beaucoup établir des avant-postes dans les environs. J'en ai repéré un juste à l'ouest. Quelques-uns se sont installés près du désert, au sud-ouest. Ils ont même monté le camp au sud. On ne dort que d'un œil une fois qu'on sait ça. Surtout, n'essaie pas de les approcher. Ok. Il m'a donné normalement un petit campement. Dernière quête à le récupérer. Tant que tu es perdu. Par l'acier. T'es un vrai joyau dans un tas de ferraille. Excuse-moi. Par mon marteau. Je te connais. Tu es la fameuse Nora. La sauveuse. Ma sauveuse. Tu arrives au bon moment. Je m'appelle Porguf Crestou. Ratisseur en chef à la tête des expéditions et pourvoyeur de creusement de Porguf. Et de quoi est-ce que je te sauve, exactement? De la mort et du désespoir, chère flamme d'acier. Car cette grande expédition a connu un léger problème. Pas loin d'ici se trouve un tunnel secret. Un passage fait par les anciens, tout juste retrouvé. Je l'ai traversé avec la moitié de l'équipe. Le reste était censé nous rejoindre très vite. Mais un seul homme a fini par se montrer. Grelottant comme un crapaud dans la givre-lymphe. Tout ce qu'on a pu en tirer, c'est que la mort les pourchassait tandis que le tunnel s'effondrait. Il est mort les yeux grands ouverts. J'ai vu le côté est du tunnel. Des gravats bloquent le passage. Il y avait aussi un corps, un de tes ratisseurs sans doute. Mais aucun signe du reste de l'équipe. Parle pas si fort, s'il te plaît. Les autres ont assez peur comme ça. Ils refusent de continuer à travailler s'ils n'ont pas la garantie qu'ils vont s'en sortir. Tu as perdu la moitié de tes hommes et tu t'inquiètes du tunnel? Il faut que leur sacrifice ait servi à quelque chose. Et puis, maintenant que tu es là, on va peut-être enfin voir le bout du tunnel. Aide-moi à rouvrir ce tunnel et t'auras une partie de ce qu'on va toucher. Qu'est-ce que t'en dis? Je vais voir ce que je peux faire pour le tunnel. Ma sauveuse. Je parlais des gens pris au piège, pas de ton projet. Ça revient au même. C'est ça, là-bas? Tout à fait. Oh, tant que t'y es, tu veux bien voir si tu trouves mon coffret, là-bas? La seconde équipe devait apporter le reste du ravitaillement et des affaires. Ça m'ennuierait beaucoup de le perdre. Ma vieille maman l'avait gravé à la main. Je te le rapporterai, si je le trouve. Ce serait très gentil. Bonne chance, Flamme d'Acier. Bon! Nous avons toutes les quêtes. Direction, les coordonnées pour essayer de rejoindre Poséidon. Alors, écoutez-moi bien, je sais pertinemment que vous n'avez pas eu, évidemment, de Horizon depuis très longtemps. Maintenant, c'est chose qui va être très très vite rattrapée, étant donné que Dying Light 2 est terminé. Vous aurez le prochain épisode, le dernier épisode, très bientôt, c'est-à-dire demain, si vous regardez cette vidéo-là, normalement. Et après,
J'ai tout mon temps pour Horizon 2. Et il y a évidemment un jeu d'horreur qui va sortir, The Quarry. Et comptez sur moi pour le faire en parallèle d'Horizon 2. Donc Horizon ne sera pas tout seul. Allez, il est temps d'aller voir les coordonnées. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand méchant à part. Si, les trois là-haut, là. On va essayer de contourner ça. Qui voilà-je ? Ok. No Susai. Ce sont sûrement les ruines de Las Vegas. Oh ! Las Vegas. Il n'y a pas de quoi faire du casino, mais enfin, écoutez, ça a de la gueule. Ok, donc là, on est dans le Nevada, hein. Las Vegas, évidemment. Gaïa a dit que je trouverais Poséidon ici. Ok. Les ruines qui sont ici sont exposées aux éléments. Mais beaucoup d'entre elles sont enterrées dans le sable. Poséidon se trouve peut-être sous terre. Si c'est le cas, je pourrais peut-être trouver un moyen de descendre dans une de ces structures. Très très bien. Écoutez, à part peut-être faire ceci, voilà, on est large. Oh là là, le monstre! Exceptionnel ce qui vient de se passer. J'ai pas pris un niveau là avec tout ça? Ok. Un petit Pekai, ça c'est beau ça. Bon! Alors le problème c'est qu'avec ce Pekari, j'ai oublié de comprendre où je devais fouiller. Waouh! Ok. Un scorpion? Mais what? Un lézard à cornes. Ok, on prend. Hein. Rien à péter. Hop, viande de lézard, sûrement. Mais what? Peut-être ici, non? Je ne sais pas. Alors, j'ai compris que c'est, ça soit peut-être sous terre, mais enfin. Est-ce qu'il faudrait pas rentrer par une sorte de bunker sous un casino? Oh, déjà un petit feu de camp. Alors attendez, ça c'est pas... Ça c'est pas cocasse ça, hein. Comme on dit dans le milieu. Dans le milieu de Las Vegas. Ok, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Ça c'est fait, c'est save. Cherchez un passage. Attendez, bougez pas. Cherchez un passage. C'est tellement grand. C'est tellement grand. Je dois chercher un fucking passage là-dedans. Là, on a des sortes de... Attends. Je vais les scanner pendant que je suis vivant. Beaucoup trop loin. Ça dégage. Je vais marquer cet endroit sur mon focus. Je reviendrai plus tard. Non, on va pas revenir plus tard. Très bien, bleu, je prends. Parfait. Ok. Superbe ça, je sais pas ce que c'est. Alors ça, j'ai toujours pas compris l'utilité. Oh. Il se passe beaucoup de choses. Jamais compris encore. Pour l'instant, j'ai aucune utilité de ça, faut le savoir. De ça là-haut là, regardez, attendez. Attendez. Je me suis fait repérer. Par quoi? Les problèmes. Et là, qu'est-ce qu'on a? Il y a moyen. Ouf, ça c'est une petite cascade, ça fait plaisir. Oh non, catastrophe. Gros drame. Ça, j'ai toujours pas compris. Hein. Toujours pas compris. On verra plus tard. Bien.
Bon bah, de toute évidence, c'est pas là, parce qu'on doit chercher un souterrain. Hop, je vous laisse lire, faites vite! Ok, je comprends. Très bien. C'est du givre. J'ai mal. Ok. Il y a des coffres, c'est très bizarre. Très bien, ça, ça a l'air important. Putain, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est cool de ce bâtiment. C'est l'œuvre de Poséidon. Je ferais mieux d'aller voir. Tout s'écoule de ce bâtiment. Non, sérieux? Juste parce que je suis encore en alerte? Ok. Alors attendez, attendez, je suis encore dans la zone là? Ah, c'est là-haut que je dois aller. Ok. Ok. Ça me survole toujours par-dessus. C'est chiant. Pas prêt de me lâcher, apparemment. Bon, allez, on va aller dans le bâtiment. C'est pas grave, on trouvera un autre moyen de save. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Matériel de camping. C'est embêtant. Ok, parfait. Hop, une petite save. J'en profite pour sauvegarder manuellement, vous me connaissez si bien maintenant. Parfait. Voilà. Ensuite. Ok, on va remonter. On va remonter, on va remonter. Il y a un coffre ici. On dirait qu'il y a quelque chose derrière cette bâche. Il y a quelqu'un en fait. Non. Ok, deux personnes identifiées. Allez, 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 allez. Oh, 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 c'était pas loin. J'étais à deux doigts. De te noyer peut-être, mais pas des braises. Morlund, c'est fini. Je m'avoue pas vaincu. Alors tu vas mourir, tout seul. Parce qu'on tient pas à rester là, à repêcher ton cadavre. Ça suffit. Et c'est tout le destin du visionnaire, en place dans la balance. Choisira-t-il la vie, ou succombera-t-il à ses mortelles illusions? Bonjour. Alors, il y a une ville perdue sous le sable, mais elle est inondée. Apparaît alors une Nora armée d'une lance. Oui, d'accord. Bon, vous n'êtes pas des ratisseurs classiques. C'est évident. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai baptisé Bulle de plongée. C'est la version 1. La version 2 était mieux, mais elle s'est retrouvée coincée à mi-chemin. Le tube s'est pris quelque part. Tu es descendu. Avec ça. Oui. Je ne m'attends pas à ce qu'une non-initiée... Parce que c'est très malin. Désolé, mais bon, je te rappelle que tu t'es retrouvé coincé et que tu as failli te noyer. Mais ça doit être facile à transporter. Une rotule de machine, peut-être? Il faudrait un filtre. Une membrane synthétique ferait l'affaire. Avec un tuyau relié à une capsule d'air comprimé. Par mes tenailles. Comment? Qu'est-ce que c'est que ça? Que... Viens par là. C'est une étrangère. Tu as un nom? Aloy. Morlund. C'est plus une étrangère. Imbécile. Viens. J'ai des vieux schémas pour toi par ici. Oh, attends, j'ai deux ou trois questions avant. Je t'écoute. Partenaire. Partenaire?
Ignore-le. Qu'y a-t-il de si important là-dessous pour risquer ta vie ? Eh bien... Morlund, je suis pas là pour faire de la récup, d'accord ? Tout ce qu'on pourra trouver sera à toi. Très bien. Et si je te disais que nous sommes à la recherche des trésors les plus incroyables jamais découverts ? Je répondrais, va droit au but. Pragmatique. Ça, ça me plaît. Admire. C'est une braise. On dirait juste de la ferraille. Là, oui. Mais... Avec une étincelle, ces créations spectaculaires des anciens dessinent de magnifiques motifs dans les airs. Et les ruines sous nos pieds en sont remplies. Une véritable merveille qui dépasse les mots. Comme me l'avait promis grand-père. Comment ton grand-père a-t-il découvert ces braises ? Il est venu là, il y a à peu près 40 ans. Il fut l'un des tout premiers à lancer une expédition à l'ouest. Il a découvert la cité qui nous entoure. Sondé les profondeurs de cette structure, il a atteint la cavité pour tomber sur un trésor de braises. Il en a remonté autant que possible. Il a toujours voulu revenir ici, mais bon, il n'avait pas les éclats. Son rêve avec les braises, c'était de monter un magnifique spectacle. Une expérience vraiment inédite. Un sacré bonhomme. Un ratisseur doué, doublé d'un artiste. Il me ment. Mais je vais le rendre fier. Je rassemblerai les braises et je monterai un spectacle, le plus grand qu'on ait pu voir. Avec ton aide. Bien sûr. Et il s'est passé quoi en bas, exactement ? Un ratissage sans nul pareil. Une chance de marcher dans les pas de mon grand-père. Sous cette structure se trouve une immense cavité, un dôme, bien à l'abri du sable. Nous avons construit l'ascenseur ici pour remonter plus facilement. Un sacré engin, il faut le dire, et pas facile à... Oui, je vois. Et ensuite ? C'est tout au fond. Que nous avons découvert le trésor de mon grand-père. D'innombrables images dans les airs, d'une grande variété. Des femmes qui dansent, des jeux et des jetons, des promesses de jackpot. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être bien. Hélas, ça n'a pas duré. Les images sont devenues aquatiques, avec des vagues et même des poissons. C'était comme une espèce de songe sous-marin. Celui de Poséidon. Oui. Et tout à coup, un bruit assourdissant a retenti. Et un véritable torrent d'eau a jailli du sol. Donc l'eau est sortie du sol et a tout inondé ? Des trombes d'eau comme je n'en avais jamais vu. On a pris nos clics et nos claques, et on a pu rejoindre l'ascenseur de justesse avant de finir emporté. Secoué, mais déterminé, j'ai construit les bulles de plongée version 1 et 2. J'ai tenté de plonger avec et j'ai failli me noyer à chaque fois. Abadund est hors de lui. Il pense que je suis fou. Mais je n'abandonnerai pas. Je touche au but. Je sens que j'ai les braises à portée de main. Eh bien, je peux peut-être t'aider. Oui. C'est bien possible. Et donc, ces braises créent des images ? De lumière pure. C'est extraordinaire. Celle-ci. Elle montrait la plus jolie femme que j'ai jamais vue. Elle invitait tout le monde à profiter d'un succulent buffet de bœuf et de homard. Oh. J'ai bien dû la regarder une centaine de fois dans l'atelier de mon grand-père. Mais elle marche encore ? Elle s'use avec le temps.
J'ai pleuré le jour où celle-ci s'est éteinte. Mais il y en a bien d'autres là-dessous. Tu verras, si tu vas jeter un œil comme je l'ai fait, et comme mon grand-père avant moi. Ça peut être très intéressant. Vous n'avez pas l'air de vrais ratisseurs. Parce que nous ne sommes pas ratisseurs, mais artistes. Comme des acteurs ? Les Nora, votre peuple et l'art, ça fera toujours d'eux. Nous donnons des spectacles, dans la requête tout entière. Stémur conte des histoires que j'améliore avec toutes sortes de bruitages et d'autres effets. Abadoun, de lui, eh bien... Il se plaint. Il gère l'argent, ce qui revient un peu au même. On ratisse pour récupérer du matériel artistique. C'est pour ça que ce ratissage est le plus important de tous. C'est très profond. Je peux pas simplement plonger. Sans branchies, tu ne peux pas. Ça doit faire 50 fûts de profondeur. Il n'y a que les océrames pour mesurer quelque chose en fût. On parle de liquide. Ça tombe bien, non? En tout cas, je ne pourrais pas retenir mon souffle. Si. Grâce à cette invention. Allez, c'est parti! Je ferais mieux d'aller chercher ces pièces. La version 2 contient une capsule d'air comprimée intacte, mais comme je l'ai dit, elle est coincée en bas. Si tu as pu en ressortir vivant, je devrais pouvoir nager jusque-là. Parfait. Pour les autres pièces, Stémur a vu un troupeau au sud qui devrait avoir ce qu'on cherche. Je m'en occupe. Bien. Reviens quand tu auras ce qu'il faut. Et bonne chasse. Allez! On est parti. Alors, 2, d'accord. Donc ça, c'est fait. Ici, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'il peut me faire, lui? Attendez, on va passer là. J'aurais peut-être pas dû, parce que là, ça avait l'air d'être potentiellement intéressant. Ah non, merde, je pouvais commercer avec lui, pardon. Alors, attendez. Oui, je suis toujours... On va voir ce qu'il a à nous vendre. Ok. Très bien. Gantelet déchiqueteur foudroyant. Waouh! Très bien. Frappe au céram, il manque un circulateur de gyrodors. Des bobines. Ok. Eh ben écoutez, on peut y aller. Je vais y aller. C'est pas trop tôt. Ah, calme, petit. Peu cher ou beau le maire. Bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Amélioration d'armes, de pièges et de sacs, c'est le plus important. Et flèche standard de précision, on passe de 8 à 10. Élite, déchirure type plasma, incroyable, c'est tout ce qu'il faut. Let's go. Il me fallait une fourchette de vautour. Voilà, on pourra avoir un tout petit peu plus de... Comment on peut appeler ça? De munitions sur nous. Et ça, c'était le plus important. D'ailleurs, en parlant de ça, boum, on fabrique. Putain, ma vitesse de création est folle. Comment ça se fait? Regardez, là, on peut en faire deux fois plus. Parfait. Là. Parfait. On est très, très bien. Et bien sûr, ici. On est... Hop. J'espérais qu'on quitterait enfin cet endroit. Allez, pour très nous. Bien. Très bien, très content. Choqué, pas déçu. Rejoindre le troupeau de machines. On verra. Et plus ça... allonger leur séjour dans le désert. Alors attendez, je comprends pas la quête. Pourquoi il est split en deux? Ok. Récupérer la capsule d'air comprimé et obtenir rejoindre le troupeau de machines et récupérer la. Et d'accord. Bon bah écoutez, on va faire la numéro 1. Je pense que ça va être un petit combat. A little fight. On va le faire sans aucun sou, sans. On va juste récupérer. Oh putain, j'ai eu tellement peur, c'est quoi ces conneries? On va juste récupérer le petit truc en haut. Et on est bon. On est très très bon. Hop. Voilà, la petite cache ici, ça c'est pour bébé. C'est moi qui régale, bruit explosif, t'inquiète que I take it. Le troupeau devrait se trouver plus au sud. Ok. Petite cascade. What the fuck? Je crois pas pouvoir la battre. Ok. Cette technologie sombre. Drone, sûrement du Sotazik. Si je récupère ces données, je pourrais le reconnecter au dôme depuis la base. Mais comment je grimpe là-haut?
What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Comment je... Sur quoi je pourrais grimper pour sauter sur le drone? Idée, il y a là-haut, mais là il faut attendre qu'il passe ici, peut-être, non, je sais pas, on va attendre. Il a l'air très rapide. La question c'est, est-ce qu'il va s'arrêter là? Ça, j'en ai aucune fichue idée. Ok. Là, il va aller là-haut, il va faire le tour, c'est le moment. Ok, là, je pourrais toujours pas l'avoir, je pense. Ok, d'accord, bon. Ça servait un petit peu à rien. J'ai attendu ici pour rien. Oh, mon seul point faible. Parfait. Bon, on va attendre qu'il soit ici, hein, lol. Ah ouais, non, mais c'est chaud! On va attendre qu'il soit plus proche, hein. En plus, il fait des sacrés... C'est la première fois qu'on croise ça, non? En vrai, même là, je vois pas. Et là, par contre, je crois que c'est le meilleur truc ever, hein, vraiment. Ça m'a... Là, c'est accessible de ouf. Ça, faut le savoir. Très bien. Non, parce que là, si je tombe, c'est catastrophe. Hein. Mais c'est pas possible. Abruti. C'est pas possible. Aloy. Bichette! Vraiment? C'est incroyable! Non, bah j'y vais, j'insiste. Hein. J'insiste, c'est pas grave. Hein. C'est débile! Je vous dis même petite coupure et on se revoit tout à l'heure devant. Hein. C'est bon. Allez! Incroyable! J'ai cru que j'allais jamais l'avoir. Boum! Voilà. Allez, 1 sur 10! J'ai cru que j'allais réellement jamais l'avoir, hein. Faut le savoir. Hein. Je m'y suis pris à deux fois, mais enfin tout de même. Tout de même, c'est très très chiant. Allez, ça, on récupère évidemment. On va récupérer peut-être du Pécari. On a un petit scorpion ici. Ça peut être très sympa, ça. Regardez. Un petit scorpion. Hop, voilà. Ça fait de la peau de scorpion. Évidemment, on va faire 2-3 petits trucs à chasser. Parfait. Malheureusement, il n'y a pas ce qu'il faut. C'est un peu chiant ce côté loot aléatoire. C'est-à-dire que les animaux ne donnent pas toujours la même chose. Très bien. Très bien. Allez, on va fouiller tout le monde. Voilà, du violet, c'est très bien. Du bleu, on prend. C'est pas le meilleur. Et du bleu, encore une fois, on prend. Bon, bah écoutez, direction notre objectif. Le troupeau de machines, il est où? Il faut pas être bien loin. Quoi? Bon, c'est ici que devait se trouver le troupeau dont a parlé Morlund. Il a dû se déplacer. Je dois retrouver sa trace. Je ferais mieux de chercher des indices. Ok. On va. Hop, ça c'est achevé, c'est terminado. Bon écoutez, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt
pour l'épisode 36, évidemment, de notre aventure. Cette fois-ci, ça va prendre une petite accélération. Direction Poséidon, comme d'habitude. À bientôt, tout le monde. Bisous! Bye bye. Waouh, la vache! Il a été très vif, celui-ci. Très, très vif. Hein. Allez! Bye, tout le monde. On a retrouvé les traces, elles sont par ici. Là.